Mario et ses amis cherchent encore une fois à déterminer lequel d'entre eux est la véritable superstar. Mais il est bien difficile de trouver une méthode qui permettrait de trancher. Mario propose alors un moyen de régler la question une bonne fois pour toutes. Et tous sont d'accord, voilà une façon idéale de désigner la superstar. Tout le monde a l'air enthousiaste, c'est parfait. Nous allons enfin savoir qui est la plus grande superstar. Oh, bordel de fichtre. Ah, c'est trop compliqué, je décède. Arrêtons les frais. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Place Mario, on est parti pour un vidéo test tant attendu. Attention, un vidéo test sur Super Mario Galaxy. Non, je rigole, Super Mario Party. Bon, c'est moins attendu là. J'avoue. Petit troll de ma part. Mais bon, c'est quand même un jeu sympathique, donc commençons. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a non pas un personnage, non pas deux personnages, non pas trois personnages, mais bel et bien, je n'ai pas compté tous les persos, comptez vous-même. Voilà, merci. Je prends ce personnage-là parce qu'il reflète bien ma skill. Alors, au début, en fait, on... Enfin, si on n'a pas d'amis, comme moi, eh bien, on choisit contre quel ordi on va... Enfin, contre quel ordi on va s'affronter. Bon, je vais mettre fort. On va pas mettre très fort, hein, parce que voilà, pour les biens de la vidéo, je ne veux pas trop fail quand même. Alors, on va mettre... Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une sorte d'hub centrale. Donc déjà, ce qui est dramatique dans ce Super Mario Party par rapport aux anciens, que je ne sais plus si Mario le faisait dans le Mario Party 9, je ne sais plus. En tout cas, ou le 10, etc. En tout cas, dans la plupart des Mario Party sur GameCube, à chaque fois Mario, il sortait un Super Mario Party. Un peu comme Resident Evil, vous voyez. Voilà, c'était la marque de fabrique, c'était... Il y avait quelque chose, il y avait une ambiance. Bon, là, c'était une ambiance festive, alors que dans Resident Evil, c'est une ambiance horrifique. Enfin, bref. Là, dans ce Super Mario Party, on n'a pas cette petite introduction. Voilà, on a juste le titre, hop, on appuie. Bon, je vous cache pas que ça fait un petit peu froid. Mais bon. Heureusement, voilà, vous pouvez voir que l'hub central a des couleurs très chaleureuses. C'est toujours la fiesta, donc on retrouve quand même l'ambiance... générale des Mario Party, de la licence. Et donc, en quoi consiste la plupart des Mario Party? Parce que c'est vrai que, finalement, on n'a pas fait un seul Mario Party sur la chaîne. Bah, tout simplement, vous allez voir. Donc pour l'instant, voilà. À la base, Mario Party se joue sur une sorte de plateau, qu'on appelle le mode fête, généralement. Là, ils appellent ça comment? Avancer sur un plateau en lançant le dé, ouais. Bon, un mode Mario Party, quoi. Et marqué en haut à gauche. C'est juste le titre du jeu, c'est magnifique. Ce vidéo test va être beautiful. Alors, évidemment, on a les options classiques, hein, jeu hors ligne, donc en local, 4 joueurs, etc. Jeu en ligne que je ne possède pas, parce que je ne suis pas abonné à Nintendo, car je n'ai pas la fibre. Bref. Mince, j'ai fait B sans faire exprès. On va faire jeu hors ligne. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs plateaux. Alors, le premier plateau. En fait, c'est un peu un jeu de loi. Hein. De toute façon, si vous connaissez pas les Mario Party, vous allez voir de quoi il en retourne assez rapidement, parce qu'on va se faire un petit mode party. Voilà, il y a très peu de plateaux par contre. Il n'y en a que 4, il me semble. 1, 2, 3, ouais. Il n'y a que 4 plateaux, sachant que le dernier est vraiment raté. Donc là, c'est quand même un point noir pour ce Mario Party. Aïe, aïe, aïe. 3 plateaux qui sont bien. Et le dernier qui est un peu catastrophique. Hein, mais bon. De toute façon, je vais vous expliquer ça plus tard. Et donc voilà, on a cette sorte de jeu de loi qu'on a dans la plupart des Mario Party. Mais attention, Nintendo ont été très généreux dans cet épisode, car vous voyez, il y a quand même un hub central. À quoi sert cet hub central? Eh bien, il sert aussi à...
il nous sert à transbahuter sur ce mode de jeu, par exemple, cette rythmique. Alors, c'est plusieurs petits mini-jeux. Tiens, bon, on va le faire maintenant. Parce que c'est très rapide. Hein. Donc, je peux vous le montrer directement. C'est l'une des nouveautés de cet épisode. Épisode qui ne prend pas non plus énormément de risques. Hein. Je le dis directement. Bon, on va passer la cinématique du début. Ça sert pas à grand chose. Il nous montre comment... Enfin, il nous donne les règles. Alors, quel type de spectacle? Bon, on va mettre normal. Et donc oui, ce jeu aussi se joue uniquement au Joy-Con. Avec un seul Joy-Con, hein, pas avec une paire de Joy-Con. Levez le poing en l'air, en rythme. Ça marche très bien. Ah, c'est bon. Alors, par contre, c'est ultra sensible, hein. On fait un tout petit geste, le personnage bouge quand même. Donc faut pas déconner. Renvoyer les balles. Donc là, faut renvoyer les balles avec un rythme assez particulier. Paf. On set de la musique. Et voilà, et ça va être plein de petits mini-jeux comme ça. Enfin, plein, il n'y en a pas tant que ça. Il me semble que... Bon, j'ai fait n'importe quoi. Tac, tac. Parfait. On a plusieurs notations, trop tôt, trop tard, ou parfait. Pam, pam. Ah, je me suis rattrapé, un petit 22. Ah, il faut quand même que la petite crotte soit première. Prenez la pause. Pam, pam. Bon, c'est dommage, je n'ai pas de caméra. Voilà, c'était un petit piège, il fallait pas faire de gestes. Tac. En fait, ça demande trop de concentration, là. Je ne peux pas dire grand-chose. Ah, ça part en live, ce vidéo test. Bon, je pense que on fait n'importe quoi comme geste, ça passe. Hein. Du moment qu'on bouge en fait le Joy-Con au bon moment. Comme dirait Hooper, qu'on fasse un petit coup de branle-motte. Voilà. Sauf que c'est plus une Wiimote. Oh ouais. Et c'est quand même plus précis qu'une Wiimote. Ah d'accord. Pam. Pam 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 pam. Cette conclusion était catastrophique. Ah, surtout que là... Ok, non, là... Oui, il est tombé par terre. Je peux comprendre. Je crois que j'ai perdu. Cette skill est magnifique. Elle est sponsorisée par la chaîne Oliver Flav. Ah, c'est quand même moi qui ai gagné. Oh là, ah, bah non, mais ils sont vraiment nuls. Hein. Ah, bon, bah vous pouvez voir que... Les ordinateurs en mode fort sont assez nazes. Alors, après, on était à combien? Ah oui, quand même. J'étais largement au-dessus. Hein. 20 dieux. Ah, mais non, je veux pas rejouer. Je veux pas rejouer à cette horreur. désolé, je veux pas rejouer à ceci. Comment on quitte, là? Ah, voilà. Retour à l'esplanade. L'esplanade, en fait, c'est le hub central. Et donc voilà, donc il y a ce petit jeu-là. Mais il y a aussi ceci. Alors, bon, je vais vous montrer vite fait, mais ça, c'est assez long, donc on va pas faire en entier.
Donc ça, il s'agit de d'un jeu en travail d'équipe, c'est-à-dire aventure normale, aventure difficile, enfin, on va faire en difficile. Même si, voilà, il y a quand même un gros fossé entre les deux difficultés, parce qu'en normal, ils auraient dû appeler ça plutôt facile, tellement que c'est vraiment, vraiment simple, c'est presque impossible de perdre. Bon, à moins de jouer avec trois manchots avec vous, c'est impossible de perdre, hein. Même mes potes qui ne sont pas du tout geeks, la plupart de mes potes qu'on fait ce Mario Party, qui sont extrêmement nuls, eh bien, encore pire que moi, hein. Encore pire que ce level-là. Là, on a réussi très facilement ce mode-là, en normal. Par contre, en difficile, c'était une autre paire de manches. Car le temps est vraiment... c'est vraiment juste, hein. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, on est sur un canoë. Donc là, il y a un mini-jeu qui s'est lancé parce qu'on a touché un ballon de baudruche. Et donc, à chaque fois, vous faire les petits mini-jeux, parce que, bon, évidemment... les Mario Party, à la base, ça consiste à faire plein de mini-jeux très rapides. C'est parti. Hop. Qui ont tous leur spécificité. Là, attention. Hop. Là, faut balancer le boomerang au bon moment en faisant le geste avec le Joy-Con. Le Joy-Con est très souvent utilisé hein, dans ce. Je fais n'importe quoi. Dans ce Mario Party. Enfin, je veux dire les gestes, le motion gaming. Terminé. Bon, on a fait un score assez catastrophique. Note B. Bon, généralement, on peut faire A assez aisément. Mais en tout cas, mieux. Enfin, plus vous avez un rang élevé, et plus vous gagnez des secondes. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, en haut à gauche, vous avez le timer. Que vous gagnez en faisant des mini-jeux ou alors en allant sur la piste, en allant sur des chronomètres, des espèces de montres que vous allez voir par la suite si ça n'arrive pas trop tard. C'est parti. Bon là c'est très simple, hein, faut bouger avec le stick à gauche ou à droite. Et en bas pour, hop, déposer la balle. Donc je pense que vous avez compris assez rapidement. Il faut mettre la balle dans le bon trou, voilà. Enfin, dans la bonne caisse, ou la boîte bleue, là. Pas trop ce que c'est. On dirait un peu un espèce de panier. Ouh, c'était juste, hein. On était pile poil... Bon, normalement, l'IA se débrouille pas trop mal. Bon, elle était un petit peu lente, quand même, pour pouvoir passer la balle, je trouve, dans ce mini-jeu. Mais globalement, ça passe. Elle fait le café. Et ça ne change pas trop qu'elle soit en normal, fort ou très forte dans ce mini-jeu-là. Vu qu'elle est avec nous, au final, il faut qu'elle se débrouille pas trop mal. Pour pas que l'IA soit un poids pour nous. C'est parti. Donc là, par exemple, le tracé de l'IA est exactement la même si on mettait en normal. Par contre, la difficulté change quand on fait le mode plateau. Ou alors le mode en rythme, comme tout à l'heure. Après, il y a une sorte de... Ah moi j'ai cru que j'étais Donkey Kong, c'est magnifique. Après il y a une sorte de mode aventure, hein, si je puis dire, qui consiste à faire en solo les 4 plateaux du jeu. Alors généralement dans les anciens Mario Party, les plateaux sont plutôt réussis. Dans celui-là, c'est quand même... Alors, il y a 2 plateaux qui sont vraiment quand même pas trop mal. Et qui ne sont pas assez grands, je trouve, à mon avis. Il y en a un autre qui est pas folichon, voilà, c'est le plateau de la bombe. Bon, c'est pas fou. Puis l'idée, bon, elle est assez classique.
Ah oui, je suis en mode entraînement, je suis un peu stupide. Oui, parce que la nouveauté aussi dans ce Mario Party, c'est que le mode entraînement, en fait, s'enchaîne directement. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur Z comme les anciens Mario Party. Enfin, les Mario Party GameCube. Et il me semble que sur Wii, c'était pareil. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour être... Purée, elle fait n'importe quoi, Arbonne. Pour être en mode entraînement. Et ça, c'est une bonne évolution, parce que comme ça, on peut s'entraîner directement dans le didacticiel. Et surtout qu'on peut s'entraîner à l'infini, voilà. Et très rapidement. Au lieu d'à chaque fois recharger le mini-jeu... Harmonie, elle est complètement débile. Surtout que ce mini-jeu est très facile, hein, normalement, quand on le fait avec des potes. Mais bon, avec l'IA, c'est autre chose. Bon, donc il compte une fois qu'il... En fait, l'IA va dans le même sens. C'est un peu stupide. Là, par exemple, faut se retourner, faut faire comme ça, là, purée. Mais... Qu'est-ce qui est fou, l'IA? Voilà, on a une IA catastrophique. Ouais, bon. On peut pas vraiment aller très loin avec une IA comme ça, quand même. Bon, je pense que pour réussir le mode difficile, faut le faire avec... avec des potes. Hein. Bon, et puis oui, pour pagayer, il faut juste faire un coup de Joy-Con. Hop. Et à chaque fois, voilà, vous avez deux embranchements différents. Ok, bon, ils sont décidés à aller à gauche. On a deux embranchements... différents. Bon, ce qui ne change généralement pas grand-chose. Juste que par exemple, à un embranchement, il y aura des chip-chip qui vont essayer de nous attraper pour nous ralentir. Ou alors, un autre embranchement, il y aura des bloops. Enfin, c'est des espèces de pieuvres. Enfin, bref. Par contre, le gros point fort, moi, je trouve, de ce Mario Party, ce sont les mini-jeux, parce que les mini-jeux sont quand même assez... ils sont à la fois simples, mais efficaces. Et surtout qu'ils utilisent, je trouve, assez bien les commandes de la Switch. Bon, Donkey Kong, il a fait un peu n'importe quoi, quoique c'est pas trop mal. Bon, on va pas faire A, c'est sûr. Faut quand même avoir 200 points, il me semble, pour faire A. Vous voyez les records en haut à gauche. Ah purée. Ah ouh, c'est propre. Et les mini-jeux sont vraiment très simples, très faciles d'accès. On comprend très rapidement, surtout c'est... Il faut pas que ça soit technique hein, dans un Mario Party. Parce que c'est fait pour être convivial et... Ah bah tiens, non, c'est à 180 le A. C'est fait pour être convivial et simple d'accès pour les néophytes. Et je trouve que ce parti pris est très réussi dans ce Mario Party. Et en même temps, contre des joueurs un peu plus expérimentés, il peut y avoir des tranches de rigolade. Et quelques injustices par moment. Par exemple, comme un certain pote du nom de Mister Y, c'est son pseudo, qui est apparu dans la chaîne Oliver Flam, il y a de cela des années. Il avait fait New Super Mario Bros. Avec moi et New Super Mario Bros. Wii, un test à l'arrache, et un peu comme celui-là, et un test sur FIFA. Alors bon, moi je suis un gros noob de FIFA, donc c'était plus lui qui en parlait. Ah, et on avait fait aussi, il me semble, aussi Pokémon Colosseum, mais... Bon, je l'avais mis plus dans un best-of, parce que c'était vraiment du grand n'importe quoi. C'était pas un test, hein. Et après, je l'avais refait avec Fireflav, en test un peu plus, on va dire, professionnel. Surtout que Fireflav s'y connaît assez bien en Pokémon. Alors Mister Y, c'est un gros noob. Mister Y a connu il n'y a pas longtemps Dragon Ball Z. Voilà, c'est compliqué.
Bon, je me moque, mais bon. Ah purée, c'est n'importe quoi, là. À côté de ça... À côté de ça, il est très cultivé en sport. Complètement l'inverse de moi. Bon, on va passer, parce que je pense que vous avez à peu près compris. Retour à l'esplanade. En fait, il faut aller jusqu'au bout. Vous avez vu qu'en haut à droite, il y avait le cheminement. Il faut finir ce cheminement avant la fin du temps. Voilà. Donc, Ekon est en train de bâiller. Il va se réveiller quand on va faire... Quand on va lancer un plateau. Alors... Bon, on va faire le mode plateau normal. Pour pas trop spoiler, j'ai lancé ce plateau-là. Le premier plateau. Qui est plutôt réussi. Assez simple, mais réussi. Donc non, on va pas... Bon, et puis même si la toute première fois vous jouez à Mario Party sans écouter les règles... Bon. Ce n'est pas dramatique parce que c'est quand même un jeu... surtout lié à la chance, hein. Donc, alors vous allez voir le mode principal des Mario Party, donc le mode plateau, est vraiment basé sur la chance, à part quand on est dans les mini-jeux, évidemment. Alors il y a quand même un peu de tactique, même si... Bah, en fait c'est un jeu de société, hein. C'est totalement ça, un jeu de société c'est bon, généralement, pour pas être méchant, c'est 70% de chance. Et le reste dans la tactique. Peut-être 80% de chance. Voilà, je vais avoir des pouces rouges. Bon, je n'ai jamais été jeu de société. Ah, bah, ouais, je ne supporte pas. Ou alors, faut que ce soit des jeux très simples, comme ce Mario Party, c'est très bien. Ça ne dure pas longtemps. Alors, vous avez vu que le temps théorique, c'est une heure. Mais bon, globalement, bon, ça dure plutôt 30 minutes à peu près. Une partie d'un plateau comme ça avec 10 tours. Mais il me semble que c'était carrément marqué, ouais, plus ou moins une heure. Alors bon, ça commence très bien, je perds 3 pièces. Ouais, voilà, c'est complètement lié à la chance, hein. Vous lancez votre dé et hop, vous avancez. Bah, c'est vraiment un jeu de loi. Heureusement, c'est quand même plus palpitant qu'un Monopoly. Elle a fait pareil que moi. En même temps, c'est aussi mon main de Mario Party. Je prends très souvent Daisy. J'aime bien la petite crotte aussi, mais bon, la petite crotte, c'est plus parce qu'elle est rigolote. Voilà, le petit Goomba, là. Il me fait marrer, là, avec sa tête. Ah, voilà. Et Daisy, c'est plus parce qu'elle a un dé qui est vraiment pas mal. Parce que, en fait, chaque personnage a son propre dé. Donc vous allez voir, je vais vous montrer après. Là, le mini-jeu. Bon, ça, c'est aussi, ça peut donner lieu à des moments hilarants. Si je puis lire, peut-être par là. Alors, ce n'est pas folichon, hein. Vaut mieux que elle aille à gauche, hein, mais bon, elle est un peu stupide, hein. Ah, là, c'est à elle d'aller à droite, hein. Voilà, elle a compris. Voilà, faut qu'elle aille un peu à gauche. Elle a compris. Terminé. Bon, bah, je pense qu'on a gagné. Hein. Là, si on n'a pas gagné, je démissionne et je ne fais plus de vidéos sur Oliver Flav et... Ah, c'est bon. Ouais, bon, à chaque fois, après, il y a le Hippipipoura qui permet de gagner 2 pièces. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Je sais pas, c'est pour faire un petit geste. Et pour que ce soit tout rond-rond et tout gnan-gnan. Parce que, bon, généralement, quand même, les Mario Party, c'est quand même assez gnan-gnan. Mais bon, c'est un jeu familial, rappelons-le. Et c'est malgré tout un jeu très addictif et
C'est un peu une... un second choix après un Mario Kart ou un Super Smash Bros. Enfin... moi, dans mon entourage, il y en a très peu qui aiment Super Smash Bros. Ils ne sont pas trop aux jeux de combat. Puis peut-être que le jeu est un peu trop technique. Pourtant, un Super Smash Bros, ça... c'est à la fois très permissif pour les débutants. Ils peuvent apprendre très rapidement. Et en même temps, c'est très pointu. Donc pour les gamers, c'est un peu plus intéressant. Bon, c'est les deux à la fois. C'est un peu comme Dragon Ball FighterZ, hein, j'ai envie de dire. Alors que par exemple, Street Fighter, c'est que de la technique. Hein. C'est pas du tout permissif comme jeu. Si on est débutant là-dedans, il se passe rien. Alors voilà, le dé du Goomba, parce qu'on a le choix entre le dé normal, que tout le monde a, et le dé de mon personnage. Donc comme vous pouvez le voir, il n'est pas fabuleux. Hein. Alors, soit on peut faire un plus 2, soit il y a un 3, un 4, un 5, un 6, etc. Enfin, vous avez compris. Et généralement, je tombe très souvent sur le plus 2 et du coup, je n'avance pas. Je gagne 2 pièces, mais je n'avance pas. Et donc là, si je tombe sur un plus 2, je n'avance pas et je perds une pièce parce qu'au final, je gagne 2 pièces en utilisant ce dé, mais après je vais retomber sur la case rouge qui va m'enlever 3 pièces, hein, donc c'est un peu con. Un peu de stratégie, attention. Bon, c'est... bon, c'est une catastrophe. Oh là là. Ouais. Ah, je sais pas, j'ai vraiment la poisse avec Goomba là. C'est bon, la dernière partie que j'ai faite... avec Goomba, c'était pareil. Je faisais que des 2 et des 1. C'est compliqué. Ah la Goomba, il est plus avec moi. Ah, c'est un four. Bon, par contre, gros point faible de ce Mario Party, c'est que les étoiles, maintenant, dorénavant, coûtent seulement 10 pièces. C'est un petit peu abusé, je trouve. Parce que précédemment, c'était 20 pièces pour acheter une étoile. Dans les épisodes précédents. Alors que là, c'est seulement 10 pièces, enfin... sachant qu'on commence dès le départ avec 10 pièces, il me semble. Quoique, non, 5 pièces peut-être? Je sais plus. Parce que dans les anciens Mario Party, on commençait avec 10 pièces, ça c'est sûr. Dans celui-là, il me semble qu'on commence avec un peu en dessous de 10 pièces. Quoique, j'ai un doute. Ah mais si, parce que j'ai gagné le mini-jeu, donc je devrais avoir plus de 12 pièces quand même. Donc oui, on commence en dessous de 10 pièces, mais quand même, 10 pièces seulement. Je ne sais pas pourquoi Nintendo ont fait ça. Mais c'est moins fun, puisque le premier qui ira sur la case étoile, il va forcément avoir l'étoile. Alors qu'avant, il y avait du suspense. Là, franchement, faut vraiment... vraiment pas être doué, gagner aucun mini-jeu pour ne pas avoir l'étoile. C'est incroyable. Ne pas avoir l'étoile quand on passe sur l'étoile. Ouais, précisons les choses. Non, parce que là, je vais peut-être ne pas avoir d'étoile. C'est à cause de mes dés. Voilà, un mini-jeu très simple, hein, vous avez compris très rapidement, je pense. Il faut simplement éviter le chou qui est dirigé par Harmonie. Harmonica. Pour les intimes. L'IA est un peu paumée. Je n'ai jamais fait gaffe, mais au niveau de la bande-son, les personnages ont tendance à ressortir les mêmes cris. Hein. C'est un peu répétitif. Bon après, c'est vrai qu'on n'y fait pas gaffe, on n'y prête pas attention quand on joue en famille ou entre amis. Mais bon, c'est une chose à noter. Attention. Voilà, c'est tellement serré, 22, 22, 22, mais qu'est-ce qui se passe?
Bon, le dé d'harmonie est quand même un peu mieux que le mien. Elle peut faire un 8. Sachant que oui, avec le dé normal, on a seulement 6, maximum. Dans les anciens Mario Party, c'était 10. Là, c'est 6. Et avec le dé spécial, alors le mien, il fait que 6, donc il n'est pas formidable. Mais avec... avec le dé par exemple d'harmonie on peut faire 8, avec celui de Bowser on peut faire 10, sauf que par exemple celui de Bowser il a 2 malus, il y a 2 moins 2, voilà, ou moins 3 je ne sais plus. Bon je vais avancer un petit peu, hein. Je pense que vous avez à peu près compris le principe. Oui vraiment avancer un petit peu. Donc voilà, comme vous pouvez voir, voilà, case bleue, c'est pour gagner 3 pièces. Case rouge, perdre 3 pièces. Sachant qu'à partir de 5 tours sur 10, c'est-à-dire quand on sera à mi-chemin de la partie. Ah, ça, c'est les cases événements. Donc à chaque fois, il se passe un événement. Dont, par exemple, le tombe qui nous barre la route. Donc on doit payer. En gros, c'est une sorte de péage pour pouvoir passer. Ou alors, par exemple, cette boule. Voilà, qui fait revenir les joueurs au tout début. Tout début de la zone. Donc voilà, il y a divers éléments, événements. Sinon, il y a les cases chance. Pour avoir un petit coup de pouce, même si bon, c'est pas... C'est pas grand chose souvent. Ça par contre ça peut être pas mal, hein. On peut avoir une étoile. Ou pas mal de pièces. Après aussi on peut avoir les cases objets, pour pouvoir récupérer un objet. Même si on peut toujours, il y a toujours les boutiques pour acheter des objets. Sauf que dans ce Mario Party, c'est quand même très simple d'avoir, encore une fois, d'avoir des étoiles parce que... en passant par la boutique objet. C'est parti. Alors par exemple dans ce plateau, la boutique objet qui nous permet d'avoir un tuyau d'or se trouve à gauche du plateau. Tout au fond à gauche. Bon, une fois qu'on est là-bas, on va forcément pouvoir acheter le tuyau doré qui coûte seulement 10 pièces. Et ce tuyau doré nous permet de nous TP, de nous téléporter directement à l'étoile. Donc oui, sur le coup, vous payez le tuyau doré plus l'étoile, donc ça vous fait 20 pièces, mais bon. C'est quand même très permissif, je trouve que c'est un peu abusé. Alors que dans les anciens Mario Party, ce genre d'objet, ça coûtait 40 pièces ou un truc comme ça, hein. Enfin, c'était super cher. Voire 50 pièces, hein. Ça arrivait, Mario Party 4, c'était 50 pièces la lampe magique. La lampe du génie, ouais, c'était ça, c'était 50 pièces. Qui nous TP, il me semble, directement à l'étoile. C'est ça. Enfin, ça faisait la même fonction que le tuyau d'or. Donc ils ont vraiment raccourci la difficulté d'avoir des étoiles dans ce Mario Party. Mais bon, à contrario, voilà, on voit beaucoup moins loin. Et puis évidemment, la case malchance, il ne faut surtout pas tomber dessus. Après, on peut voir le plateau en général, même si bon... dans ce Mario Party-là, ça ne sert pas à grand-chose de voir le plateau en général, parce qu'ils sont tellement petits, les plateaux. Quand on compare au Mario Party 4 ou 5 et 6 de la GameCube, ça fait un peu pitié quand même. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Surtout quand même, quand, avec 20 dieux, on est sur Switch, c'est le Mario Party 12, il me semble. Ou 13, s'il y avait celui de la 3DS, je sais pas s'il compte. Ou si c'est un spin-off comme sur DS, je ne sais plus. Parce qu'à chaque fois, ils numérotaient les Mario Party, sauf sur DS et 3DS. Et celui-là n'est pas numéroté non plus. Peut-être parce que la Switch est finalement une console portable. Entre guillemets. Ah oui, et puis aussi, à chaque fois qu'on a les mini-jeux,
on peut avoir mini-jeu à 4, donc là c'est chacun pour sa pomme. Mini-jeu 1 contre 3, donc s'il y en a un qui est tombé sur une case rouge et que les autres sont tous sur une case bleue, ça sélectionne comme ça. Ou alors des fois ça sélectionne un peu au pif. Hein. Si tout le monde est tombé sur une case bleue, des fois ça peut quand même arriver qu'il change la couleur d'un joueur, que ça soit case rouge et hop, c'est lui qui va affronter tous les autres adversaires. Après, naturellement, ils ont revu ça pour les mini-jeux de 1 contre tous, là. Et généralement, c'est quand même bien plus équilibré à ce niveau-là. Maintenant, enfin, c'est même généralement même plus simple pour le joueur qui est tout seul de survivre par rapport aux 3 joueurs. Les 3 joueurs, faut vraiment qu'ils travaillent en équipe. Sinon, bah, c'est impossible. Alors que dans les anciens Mario Party, généralement, les mini-jeux de 1 contre 3, bah généralement, celui qui est tout seul, il ne pouvait pas faire grand-chose, c'était presque impossible de réussir. Dans la plupart des mini-jeux. Il me semble que dans ce Mario Party, il y a très peu de mini-jeux dans ce Mario Party, je trouve, par rapport au 9, par exemple, ou même au 8, enfin même si le 8 était pas formidable par contre. Il y avait plusieurs mini-jeux, mais c'est l'un des moins bons. Le 8 est vraiment pas génial. Alors que par exemple, je trouve quand même que ce Mario Party, bah, il est dans la moyenne, c'est pas le meilleur, mais il est loin d'être le moins bon. Il fait son petit bonhomme de chemin, il n'est pas foufou, mais ça va. Il nous fallait bien un petit Mario Party sur Switch. Ah puis on est déjà à 37 minutes. Enfin, Dieu. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, je vais vous montrer le mode plateau. On va quitter affiche. Tac, tac, tac. Choisir un autre plateau. Ouais, bon, si tu veux. Ah oui, c'est vrai, ça sauvegarde la progression comme ça. Donc attendez, du coup il y a aussi un mode là qui est un peu plus stratégique, qui me demande un peu moins de chance. Alors c'est pas ici, c'était où déjà ce mode là? C'est le mode plateau quand on est à plusieurs, bah là ce mode là, là c'est juste pour refaire les mini-jeux comme ça à l'arrache. Alors il y a quand même, si je quitte, voilà, il y a jeu libre pour faire n'importe quel mini-jeu. Donc si j'appuie vous allez voir le nombre de mini-jeux qu'il y a, voilà. Voilà, c'est tous les mini-jeux du jeu. Quasiment. Ouais, c'est ça, tous les mini-jeux. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas beaucoup quand même. C'est vraiment faiblard. Même si la plupart sont quand même assez réussis. Il y a très peu de mini-jeux qui demandent que de la chance, comme on avait par exemple dans Mario Party 4. C'était le gros point faible de Mario Party 4. C'était pourtant, d'un côté, il avait des très bons mini-jeux Mario Party 4. Mais de l'autre, il y avait presque 30% des mini-jeux, c'était que lié à la chance, et ils étaient vraiment... mais nuls. Et ils ne servaient à rien du tout. C'était 30% des mini-jeux, c'était les mêmes. On avait juste... par exemple, c'était tiré sur une corde, et hop... on voit 5 cordes en face de nous, laquelle il faut tirer sur laquelle. Bon. Voilà, c'est complètement au pif. Alors que là, on a. Je crois même qu'on n'a aucun mini-jeu qui est lié à la chance. Il me semble. Non, parce que, par exemple, celui-là c'est réflexe. Celui-là c'est plus. Bon, il est assez classique celui-là, faut s'envoyer. De l'eau pour pouvoir éjecter l'adversaire hors de la zone. Ça c'est plutôt pas mal, Virevoltarien. Bah, tiens, je vais vous montrer ça. Ce mini-jeu-là est pas trop mal parce que... on peut diriger en fait avec le motion gaming, attention, c'est le turfu. Avec la Joy-Con, on dirige en fait notre petit vaisseau. Et il y a un pote très souvent qui aime bien pousser les adversaires comme ça là. Donc, les coincer là. Ah, il aime bien faire ça. Après il dit que c'est pas lui mais.
Il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Bah, c'est une histoire Y. Hein. Ah, il y a eu un espèce de petit bug là. Je sais pas pourquoi ça s'est accéléré en 2 secondes. C'est nouveau ça. Ça vient peut-être de mon PC qui a un peu bugué sur la capture. Et donc retour à l'esplanade. Quoique non. Il y a encore un dernier truc. Ah, vous avez les jeux libres et vous avez Mariothon. Donc essayez d'obtenir le meilleur score total en disputant 5 mini-jeux d'affilée. Il ne faut pas relâcher ses efforts, rien n'est joué jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que rien n'est joué jusqu'à la fin. Ça veut dire que les mini-jeux, par exemple, comme celui d'avant, avec les hélicoptères là, où il fallait esquiver les Fuzzy, eh bien ce mini-jeu là demande. Comment dire, enfin, normalement il faut résister le plus longtemps possible. Sauf qu'à chaque fois, il y a quand même une fin. Alors, le mini-jeu se termine, même s'il reste 2 participants, par exemple, ou 3, ou même la totalité, le mini-jeu s'arrête. Et après, c'est égalité, match nul, donc tout le monde gagne des pièces. Alors que là, dans Mariothon, il n'y a forcément qu'un seul gagnant. Parce que des mini-jeux comme celui-ci, eh bien, ne se terminent jamais. Pas tant qu'il reste 2 joueurs. Il se terminera que s'il restera qu'un seul joueur. Enfin, quoique, non, même, non, il se termine pas. Il faut qu'il reste 0 joueur, tout simplement. C'est que le dernier joueur doit survivre le plus longtemps possible pour pouvoir avoir un meilleur score dans le tableau, etc. Enfin, je vais pas tout vous expliquer. Et combat des cases, ça c'est assez classique. À chaque fois qu'on gagne un mini-jeu, on a le droit de poser une case. Et c'est un peu comme. Un puissance 4, hein, c'est-à-dire que quand on englobe des cases d'un adversaire, par exemple si on fait en diagonale et qu'au milieu il y a une case d'un adversaire, et ben on peut lui manger sa case, et la remplacer par une case à nous. Voilà, c'est assez classique. Enfin, voilà, on a fait le tour. Il n'y a pas énormément de styles de jeu différents, mais bon, c'est quand même pas trop mal. Bon, là, c'est pas très palpitant. Lancez-vous dans un périple sur cette longue route où vous affrontez 80 défis à la suite. Sachant que là, c'est que pour du 1 joueur. Il me semble, ouais, c'est que 1 joueur, ça. Et on joue avec les ordi à chaque fois. Ce n'est pas très palpitant. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux vous montrer d'autres? Ça, je ne sais même plus ce que c'était, parce que ça fait tellement longtemps que je suis pas allé là-dedans. Alors maintenant, quand je joue en multijoueur, bon, ça doit être juste une image, un artwork qu'on gagne comme ça. Vous voyez quand même que l'hub central, hein, il est assez grand. Ah, et voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était le Mario Party en duo. Alors, c'est la grande nouveauté de ce Mario Party. Alors, hélas, les plateaux ne sont pas non plus... très grand. Ils auraient pu faire des grands plateaux, hein, je trouve, avec ce mode-là, parce qu'on est quand même en duo. Vous allez voir en quoi ça consiste. Donc on va prendre... bon, celui-là n'est pas génial, on va prendre la méga pastèque, très bien. Oui, vas-y. Vous allez voir de quoi il en retourne. Voilà, je vais pas vous expliquer le fonctionnement de chaque plateau. Après, c'est à vous, c'est plus à vous de le découvrir. Bah parce que c'est surtout long à expliquer, et sachant qu'on est déjà à 45 minutes. Sachant que je ne comptais pas faire déjà un vidéo test aussi long, ça passe trop vite. 20 dieux. Hop, voilà, on passe. Ah oui, et aussi, les étoiles coûtent 2 fois plus cher, parce qu'on gagne 2 fois plus de pièces, vu qu'on est en duo. Sachant qu'il y a des pièces aussi sur le terrain, comme vous pouvez le voir.
Ce qui est assez différent en fait, c'est que on a plus de cases bleues ou rouges. Là, on a que les cases événements ou les cases chance et champignons, enfin les cases vertes. Champignons, les objets. Case chance, c'est le trèfle à 4 feuilles qu'on voit en dessous. Sachant que c'est un petit coup de pouce, hein, case chance, mais c'est vraiment pas terrible. Hein. On gagne 5 pièces ou des trucs comme ça. On va pas gagner une étoile. Donc là, hop. Je chope mon dé. Elle, de son côté, chope un dé aussi. Hop, sachant que le dé de Daisy est quand même pas trop mal, parce que on peut faire soit des 3, soit des 4. Hein, donc un rythme très constant. C'est l'un des meilleurs dés du jeu, pour ma part. Même si théoriquement... théoriquement, d'après... d'après je ne sais plus quel site... Il y a un pote qui a regardé sur le site et qui a vu... quel personnage fallait vraiment prendre dans Mario Party pour avoir le meilleur dé. Et les personnages qui possèdent le meilleur dé sont en fait Wario, Boo et il me semble Bowser. Donc je suis pas sûr Bowser. Non, Cocoon en Bowser, non. Non, mauvaise idée. Ah, à chaque fois je me fais avoir, oui, faut appuyer sur L et R pour lancer le mini-jeu. Ne vous demandez pas comment Goomba chope ces tartelettes là. Alors, on va dire que c'est la magie du jeu vidéo. Quoi. C'est un peu comme Rayman. Comment ça se fait que ses mains tiennent sans membres. Alors, on est en train de gagner. Ouais, nickel. Une petite pâtée, ouais bon les ordi en fort quand même, ils sont assez nuls. Hein. La petite coupe afro sur Goomba, ça lui va tellement bien. Et puis en fait, voilà, vu, c'est un peu plus stratégique, car... Ah bah tiens, Luigi rejoint la partie. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer ça, parce qu'on pouvait aussi tomber... Alors dans, ça c'est dans le mode partie normal, on pouvait tomber sur des cases alliées. Qu'est-ce que les cases alliées? Donc les cases alliées, en fait, font venir un allié, font popper un allié, comme ça. Donc un personnage en plus, genre Luigi par exemple, il arrive et il vous aide par la suite pour avancer sur le plateau. Donc voilà, là je vais passer sur Luigi, parce que dans ce mode duo, en fait, les alliés, ils arrivent comme ça un peu au pif. Hein. Vu qu'il n'y a pas les cases alliées. Hop. En fait voilà, par exemple, on sélectionne où l'on veut aller, mais par contre, impossible, pourquoi? Parce que j'ai fait le chiffre 7, c'est un chiffre... Non, attendez. Ouais, c'est ça, j'ai fait le chiffre 7. C'est un chiffre impair. Et donc, on ne peut pas atterrir sur... Ah oui, c'est ça. On peut s'arrêter que si c'est un chiffre pair. C'est un peu bizarre. Hein. Alors, l'étoile, elle est là-bas. Bon, je pense que l'IA va l'avoir avant nous. Ah, quoique... Bah non. L'IA ne va pas avoir assez de pièces. Ouais, en fait, quand on a un allié, en fait, on récupère son dé. Voilà, donc par exemple là, le dé de Luigi. En plus de notre dé. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, car ce n'est pas fini, attention, l'allié nous permet d'aller un peu plus loin. Donc c'est-à-dire que... Ah oui, et quand on passe sur les adversaires, dans le mode duo, et eh ben on les écrase, voilà, et on leur vole quelques pièces. Mais vous allez voir que les alliés, voilà, généralement, ont un dé, eux aussi. Quand on lance notre dé,
eux, ils lancent un dé de... qui va de 0 à 2. Voilà, ça nous donne un petit coup de pouce, et c'est quand même vraiment pas mal, et ça vaut vraiment le coup d'avoir un allié. Bon, on a fait un peu n'importe quoi. Ah, non, mais c'est Daisy, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle le fait à l'infini. Ah non, faut attendre, faut avoir un bon rythme. Ah purée, ça bug. Ah, vas-y. Bon, ce n'est pas formidable. On a quand même gagné. Hein. Ah non, non, l'IA est vraiment nulle. Hein. Parce que là, j'ai vraiment très mal joué. J'ai quand même très mal joué. Hein. En fait, je me rends compte que... finalement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Mario Party. Enfin, surtout que je n'ai pas fait un seul Mario Party sur la chaîne Hyper Flat, donc je suis un peu obligé de tout montrer. Non pas que les nouveautés, mais aussi le mode plateau classique et de l'expliquer. Et finalement, ça prend du temps et on est déjà à 50 minutes. Et donc, je m'excuse aussi de l'intro qui était un petit peu longue parce que je ne savais pas trop par quoi commencer finalement. C'est un peu le vidéo-test bac à sable. Ah, plus 5 pièces, c'est quand même pas trop mal. Mais ils ne vont pas avoir assez de pièces, et surtout qu'ils ne vont pas pouvoir atterrir sur l'étoile. D'accord, Luigi est mon allié, par contre Daisy n'est pas à côté de Luigi, du coup... Enfin, c'est que moi qui suis passé à côté, donc... je vais faire le dé comme ça. Dé classique, je vais pas trop prendre de risques. Donc je pense que Luigi, en fait, va seulement m'aider. Oui, c'est ça. Est-ce que ça sert d'aller là? Alors, je peux faire ça. Ah, c'est mieux. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'objets différents dans ce Mario Party. On va plutôt à l'essentiel, hein, parce que c'est vrai que dans les anciens Mario Party, on avait certains objets qui ne servaient pas à grand-chose, au final. Après, oui, je ne vous ai pas dit, mais le dernier plateau, pourquoi est-il aussi raté par rapport aux autres plateaux? Bah, tout simplement parce qu'en fait, l'étoile ne change pas de place, l'étoile elle reste au même endroit. Et on doit seulement, enfin c'est un peu comme un plateau dans Mario Party 8, le plateau de la plage, le plateau pirate là. On en doit juste avancer vers le bateau pirate et hop, choper l'étoile. Sachant que l'étoile ne bouge pas de place, elle est toujours devant le bateau pirate. Et que c'est juste le joueur qui fait le plus de cases qui gagne. C'est quand même un peu nul. Voilà pourquoi je n'aime pas ce dernier plateau. Hop. Allez, là, c'est assez original, c'est assez marrant. On va se quitter sur ce mini-jeu. Alors oui, là, c'est assez original parce que voilà, on a... Voilà. Ma coéquipière est en diagonale, à droite. Donc on doit récupérer le plus possible... de fruits pour que l'adversaire ne puisse pas en attraper un seul. Voilà. Hop, hop. Bon, là, ce n'est pas formidable. Là. Je ne fais pas trop barrage. Voilà. Zend Imperfecto. Je crois que pour l'instant, j'ai toujours gagné les mini-jeux, incroyable. Alors que j'avoue que j'ai pas très bien joué. Hein. D'habitude, je suis quand même un peu meilleur.
Voilà, les joies de la vidéo. Mais bon. L'IA est bien naze. Pour que je gagne tout le temps comme ça alors qu'on est en fort. Ça change de l'IA sur GameCube. Sur GameCube, par contre, dès qu'on mettait en fort, là, c'était un psychopathe. Et en plus de ça, on avait expert après. Au-dessus de fort, t'as expert. Et là, là, tu balances la manette GameCube sur la télé. C'est pas possible. D'énervement. Ouais, voilà, il nous propose d'utiliser l'objet parce qu'on a le champignon qui nous permet de faire 3 cases de plus, 3 cases supplémentaires. Mais bon, voilà, on va quitter. Ah mince. Voilà. Ça fait 2 fois que je fais le menu home sans faire exprès. Vous allez voir quel genre de jeu je vais vous faire en vidéo test à l'avenir sur Switch. Ah, ce n'est plus la surprise. En tout cas, voilà, globalement, ce petit Mario Party, c'est quand même un bon petit jeu. Même s'il ne casse pas 3 pattes à un Goomba. Et je trouve que, bah, globalement, il est plutôt dans la moyenne, dans la lignée des Mario Party. Il est bien meilleur que Mario Party 8, avec son personnage de présentation assez exécrable. Je ne supporte pas ce personnage, et en plus il a un design horrible. Et en plus il n'arrête pas de parler, c'est une catastrophe. Mario Party 8, je vous le déconseille. Si vous voulez un bon Mario Party sur Wii, Mario Party 9, voilà. Le 9 c'est quand même mieux, même si le 9 est assez spécial parce que... Là, c'est à l'ancienne dans celui-là, sur Switch. Parce que, avant, dans Mario Party 9 et le Mario Party 10 de la Wii, les deux épisodes précédents sur console de salon, eh bien, on était sur une espèce de machine. Et donc à chaque fois qu'on lançait un dé, par exemple si on faisait un 5, et les adversaires avançaient de 5 aussi avec nous. Voilà. Mais bon. Je vous montrerai cela dans une prochaine vidéo, parce que expliquer comme ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Et sur ce, je vous dis... Affiche-toi. Oui, voilà. Magnifique vue. Sur ce, je vous dis... À la revoyure pour de nouvelles aventures. Avec le beau gosse Goomba. À la revoyure.